Avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à remercier tous mes nouveaux abonnés, car grâce à vous, j'ai enfin atteint le palier des 200 abonnés. Donc ça paraît rien par rapport à d'autres youtubeurs, mais moi je suis vraiment heureux, je suis tellement content d'avoir atteint ce palier. Hier soir, j'ai regardé mon compteur et j'ai atteint les 200 abonnés avant de me coucher, donc c'était vraiment super. Donc je vous remercie vraiment et bonne vidéo à tous. Allez, salut à tous. Salut à tous, c'est Kunkadeo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Poké Birthday. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce Poké Birthday, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai obtenu pour mon anniversaire. Que ce soit des cadeaux par mes parents, que ce soit des cadeaux de mes amis, que ce soit également des cadeaux de ma famille, ou des cadeaux que je me suis fait à moi-même. J'ai le droit à des petits plaisirs souvent. On va commencer. Qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer par. Donc on va commencer par des choses qui me paraissent un peu évidentes et dont je vous ai déjà parlé. Donc en premier, j'ai eu fameuse New Nintendo 3DS XL édition limitée Majora's Mask que j'ai eu par mes grands-parents. Donc ça, je suis vraiment très content de l'avoir puisque c'était la dernière une fois. C'était la dernière en magasin, donc du coup je suis très content parce que je la cherchais depuis pas mal de temps, depuis février je l'ai recherchée et un beau jour je l'ai retrouvée, j'ai trouvé en magasin, donc j'étais très content. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu le premier jour, le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire par mes parents. Donc quelque chose qui n'a rien à voir avec Pokémon encore une fois. C'est un coffret Invictus, donc le parfum avec un vaporisateur de voyage. Encore une fois, c'est un parfum. Oh, je vais vous montrer. Donc là, le parfum, il est en bas puisque je l'utilise, puisque j'ai toujours souhaité l'avoir. Ça fait un moment que je le veux et mes parents ont décidé de me l'offrir. Ce parfum, c'est Invictus. Donc je ne sais pas si vous connaissez. À mon avis, vous devez le connaître. Et ça fait quand même un moment que je le veux également, celui-là, parce qu'il sent juste magnifiquement bon. Il est magnifique. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ce jeu, donc Splatoon, jeu également que je voulais depuis pas mal de temps. D'ailleurs, YouTube me faisait envie, puisque à chaque fois que je voulais regarder une vidéo, il me faisait une pub de Splatoon, donc à chaque fois je rageais, je disais mais non, mais s'il vous plaît, faites que ça soit mon anniversaire. Et depuis, je ne fais que jouer à ça pratiquement, je sais, en plus, j'ai mon bac à préparer, j'ai mon oral qui va bientôt arriver, je dois réviser. Mais c'est plus fort que moi, je n'arrête pas de jouer jusqu'à des heures phénoménales, genre 2h du matin, je ne peux pas dire à mes parents par contre. Je vais vous montrer également un petit goodies. Donc, ici c'est un ocarina de The Legend of Zelda, avec le petit symbole de la Triforce juste ici. Donc là c'est un citron. Donc je sais pas y jouer à part juste un petit morceau. Je vais vous faire une petite chanson. Donc pour ceux qui connaissent, c'est l'un des thèmes de Zelda. Faut pas que je me rate par contre. Voilà, c'est tout ce que je sais faire parce qu'en plus, normalement pour pouvoir faire les aigus, il faut un 8 trous et un 6 trous. Je ne peux pas aller plus loin dans la musique. Donc ça on met de côté. Donc, tout ce que j'ai présenté, je vais les mettre là-bas. Voilà, donc ensuite, ça c'est pas vraiment un cadeau, mais je voulais absolument également pour mon anniversaire, c'est-à-dire un coquetier Pokémon qui se vend à McDo en ce moment dans les Happy Meal. Donc oui,
je me suis entre guillemets offert un Happy Meal pour pouvoir avoir ce petit coquetier. Donc je ne sais pas si je vais l'ouvrir ou le garder scellé. Pour le moment je le garde scellé parce que voilà, bon, les coquetiers, déjà je ne mange pas des œufs, les œufs ça ne m'intéresse pas. Si j'avais eu le gobelet, le presse-fruit, ça vraiment j'aurais utilisé un maximum. Mais là le coquetier, je préfère le laisser dans le blister. Ensuite, donc ça c'est une future vidéo que je vous ferai. D'ailleurs je vais vous mettre celui-ci d'abord. Alors donc ici ce sont les bonbons Harry Potter. Donc je vous ai déjà fait la vidéo de ces bonbons, mais en fait celui-ci je vais le garder scellé dans la collection, juste histoire de garder un souvenir de cette expérience, mais malheureusement qui était insupportable, même dégueulasse. Mais je vais quand même retenter l'expérience avec le Jelly Belly Buzzle Challenge. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voici la boîte. Donc j'ai décidé de faire le challenge puisque personne ne va me défier, puisque je ne suis qu'un petit youtubeur. Mais j'ai quand même envie de goûter pour voir un peu les goûts qu'il y a dedans. Donc je sais qu'il y a chaussettes puantes, tutti frutti, vomi, pêche, popcorn au beurre, rotten eggs, c'est œufs pourris, crotte de nez, poire, lingette pour bébé, coconut, noix de coco, ça je ne sais pas, citron. Ensuite il y a dentifrice, une baie bleue. Nourriture pour chien, pudding, chocolat. Enfin, il y a plein de goûts. J'ai vraiment envie de goûter. Bon, je le ferai peut-être avec un ami ou plusieurs amis en vidéo. Je ne sais pas encore, puisque personne n'a voulu le faire le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire le 20. Enfin, le jour de mon anniversaire. Je suis née le 12, mais je l'ai fêté le 20 avec mes amis. Mais ils n'ont pas voulu le faire en vidéo, puisque ils sont un peu gênés en fait en caméra. Ensuite, je me suis offert entre deux jeux. Donc ici, je me suis offert le Lynx Crossbow Training. Donc que je voulais absolument, je ne le trouvais pas en magasin, puisque en fait c'est un jeu qui ne peut pas être vendu séparément. Je voulais seulement le jeu, je voulais pas la crosse qu'elle est avec. Puis même en ce moment il n'est pas trouvable partout. Donc il était vendu à 7€ en brocante, j'ai réussi à le négocier à 6€. À la base je voulais 5€, mais il m'a dit 6€ à la rigueur. Donc j'ai quand même accepté, hop. Donc à l'intérieur il y a la notice, voilà, et le petit jeu, dans le bon sens, voilà. Donc 6€ pour un jeu, moi je trouve que quand même ça fait pas trop cher non plus. Sachant quand même que certains jeux se vendent à partir de... Allez, une vingtaine d'euros. Mais en brocante, il faut souvent faire des bonnes affaires. Ensuite, un autre cadeau que je me suis fait, que je me suis offert, c'est un amiibo que je recherchais depuis pas mal de temps, que j'ai trouvé à Carrefour, puisqu'il y a les rééditions qui sont arrivées enfin, parce que moi, je commençais un peu à m'énerver sur certaines personnes qui vendaient les amiibo à des prix phénoménales. Et moi, je ne conçois pas en fait à cette revente d'acheter des rares pour ensuite les revendre à prix fort. Donc en fait ici c'est un amiibo Kirby, voilà, qui est très très joli. Hop. Oh bonjour. Donc celui-ci je ne sais pas si je vais l'ouvrir ou le garder scellé, parce qu'en fait c'est l'édition 2, enfin on va dire entre guillemets l'édition 2. Donc ils ont édité davantage de Kirby cette fois-ci. Mais je préfère tout de même le garder scellé, puisque Kirby, je ne vais pas l'utiliser sur Super Smash Bros. Mais je le préfère scellé parce qu'en plus l'artwork il est super bien fait. Et non, je pense pas que je vais l'ouvrir. Par contre, je vais juste vous montrer une figurine. Hop. Donc là, je vais vous montrer. Hop. Il est décalé. L'arrière d'une figurine amiibo et l'arrière de Kirby. Donc ça c'est l'arrière de Link Cartoon, et juste derrière celui de Kirby. Donc vous voyez déjà qu'il y a une différence, c'est que maintenant ils ont ajouté la New Nintendo 3DS sur l'arrière de la boîte, qui est compatible en fait
avec la New Nintendo 3DS. Voilà. Donc, je mets de côté le Kirby et on passe cette fois-ci à ses cadeaux. Oh là. Donc, j'ai eu... Oula, il tombe. Donc, j'ai eu deux decks. Enfin, deux decks. J'ai eu trois decks, donc en fait il y en a un qui ne m'intéressait pas, donc je l'ai revendu à un ami. Donc j'ai eu deux decks, un étincelle, donc c'est le deck tonnerre brillant XY étincelle Igualta, et un deck Mystigrix, Typhon Mystix. Oula, Typhon Mystique, pardon. Donc si vous voulez que je les ouvre sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, les decks, je crois que je vais les garder scellés. Bon, celui-ci, il est déjà ouvert, mais bon, ce n'est pas grave. Sinon, je pense les revendre parce que moi, les decks, je ne suis pas trop... J'aime pas trop, en fait, les decks. C'est vrai qu'il y a certains decks que je n'achèterai pas. Il y a un deck que je voulais absolument... C'est celui de Ciel Rugissant avec Elector et Articuna. À mon anniversaire, j'en ai eu un des deux. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Parce que vraiment, l'artwork est magnifique. Je vais le garder scellé dans ma collection, par contre. Ou alors, je l'ouvrirai également sur ma chaîne. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je l'ouvre. Mais sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire, ces deux-là. Mais voilà. Hop. Du coup, je mets de côté. Et on passe... un cadeau, on va passer auquel on va rester un peu dans du... ou alors je vais rester je vais rester dans du Pokémon. Donc comme je vous ai dit, un deck de Elector. Donc celui-ci je le voulais absolument parce que je trouve que l'artwork est magnifique. Et merci Mathieu si tu regardes cette vidéo, je suis vraiment très content de l'avoir. Hop, donc c'est le deck Orage Foudroyant, voilà. Donc de l'extension Ciel Rugissant. Donc si vous voulez que je l'ouvre sur ma chaîne, il n'y a pas de souci, je l'ouvrirai. Sinon, je le garde scellé parce que vraiment, le deck en lui-même est magnifique. Je vous laisse regarder un petit peu aussi également l'arrière du deck. Voilà, et on passe à aux choses suivantes. D'ailleurs, il me manque quelque chose. Je pense que je vais aller chercher après. Alors donc, maintenant on va arriver sur un thème qui me touche à cœur, qui me tient à cœur, que j'adore, ce sont les mignons. Donc ça, en plus, ces deux personnes qui m'ont offert des cadeaux mignons, ils se sont même pas concertés pour le cadeau, et ils savent vraiment ce que j'aime. Donc en premier, c'est une trousse mignon en forme de Kevin, c'est Kevin qui est en pirate. Voilà, il fait comme les pirates. Non, il fait pas comme ça les pirates. Mais voilà. Hop. Donc je pense que ce sera ma trousse de l'année prochaine. Je prendrai une autre trousse, mais celle-ci, je vais quand même la garder parce qu'elle est magnifique. Ensuite, également une petite balle mignon. C'est vraiment très joli ça. Donc d'un côté, on a comment il s'appelle, Stuart. I speak mignon. En plus, il marquait Bello, Bello. Bello, Bello. Ok, il marquait Bello, Bello. Et derrière, on a Bob. C'est Bob. Oui, c'est Bob. Donc lui, c'est Stuart. Et lui, c'est Bob. Voilà. Ensuite, on va rester dans le thème des mignons. Hein. Bon, par contre, là, il va falloir un minimum de patience parce que je vais vous le montrer. Alors, 3, 2, 1. Wouh ! Merde. Il y a un truc qui est passé, sauf qu'il n'est pas passé dans la caméra. Ouais. Je vais aller le rechercher. Hop. Bon, on le réessaye. Voilà. Attention, 3, 2, 1. Voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit jouet mignon. Donc ça s'envole. C'est trop mignon. Franchement, c'est magnifique. Donc là, on a Kevin, Stuart et Bob. Voilà. Donc c'est un long shot. Hop. C'est quand même près les toupies de Blade. Donc on fait comme ça. On tire. Et ça s'envole. Et ça casse tout sur son passage. D'ailleurs, j'ai cassé une ampoule. Mon père m'a défoncé, m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai juste lancé le bon truc avec lui. J'ai fait juste ça. Et il a cassé, en fait. Enfin, il n'a pas cassé une ampoule. Il y a juste le petit filament, en fait, il s'est décroché. Bah ouais. J'ai voulu jouer, j'ai joué, voilà.
Donc je reviens tout de suite, je vais chercher le reste de mes cadeaux, j'ai oublié juste sur mon buffet. A tout de suite. Voilà, je suis de retour avec... Ta-da-da ! x2. Donc pour ce cadeau... J'ai pas un petit zoom tout de même. Donc pour ce cadeau en fait... Non, je vais pas faire de zoom parce que sinon je vois un gros plan sur moi. Parce que sinon ça va... C'est pas rigolo. Hop. Voilà. Donc en fait c'est une BD mignon. Enfin mignon. C'est plutôt moi moche et méchant. Voilà. Donc cette BD je l'ai eu deux fois malheureusement. Parce qu'en fait ma meilleure amie me l'a offerte. Mais également une de mes amies m'a également offert cette BD. Donc il y en a une qui sera pour moi et l'autre elle sera pour ma maman puisque ma maman adore aussi également les mignons. Donc à l'intérieur c'est une BD tout simplement avec des mignons. Voilà, je vous montre un peu le contenu. Voilà. Tac tac tac. Voilà. Et à l'intérieur il y a également un petit poster. Ben, je vais essayer de le décrocher et vous le montrer. Hop. Je vais pas non plus l'arracher. Oula. Je vais faire des bêtises. Voilà, 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 parfait. Donc c'est un poster mignon. Donc quand je ferai des ouvertures mignons, ben je pourrais maintenant mettre un petit fond sympa. Donc je vous montre de plus près le poster. Toc, 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 voilà. Et donc c'est vraiment sympathique parce qu'en plus j'adore les mignons. C'est dingue ce que je peux les aimer ces petits cons. Pas les petits cons, pardon. Ma langue a fourché. Donc voilà. Ensuite, je pense que c'est tout, il me semble. C'est déjà pas mal, hein. Franchement c'est super bien. C'est un très bon anniversaire. D'ailleurs je vais encore recevoir deux cadeaux en fait de deux amis qui n'ont pas pu assister. Non, il y en a un qui n'a pas pu assister à mon anniversaire mais qui tenait quand même à m'offrir un cadeau et une autre amie en fait qui n'a pas eu le temps de m'offrir un cadeau parce qu'en fait comme il y a eu le bac entre deux elle n'a pas vraiment eu le temps d'acheter quelque chose donc vraiment c'est pas de souci hein. Moi je lui ai dit très clairement même si tu ne m'offres pas de cadeau il n'y a pas de souci voilà c'est Myriam hein. Coucou à toi Myriam d'ailleurs si tu regardes cette vidéo et voilà. Donc du coup, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas également de me mettre un petit commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Allez, salut à tous.